pas que je sois là. Bah non. Enfin que je sois là avant vous. Non. Alors c'est ça, hein. Vous dites je me mets devant elle comme ça. La première voiture qui s'arrête, elle est pour moi. Vous aussi vous faites du stop? Non, je vends des valises en pleine journée sur une nationale. Je me dirais que je pourrais faire un bon chiffre. C'est original. C'est pas original, bien sûr que c'est faux. Bien sûr que je dis stop. Et la première voiture qui s'arrête, elle est pour moi, d'accord? Je vais pas vous gâcher le début de vacances, mais moi vraiment je parte, hein. Maintenant et tout de suite. Ah mais je pars pas en vacances, hein. Moi aussi il faut que je parte là, maintenant et tout de suite. Bah peut-être, mais moi c'est une urgence. Bah moi aussi c'est une urgence. Bah moi je suis poursuivie. Mais moi aussi je suis poursuivie. Ah bon et par qui? Mais par les gens qui m'attendent, parce qu'à force de m'attendre, mais ils vont se mettre à me poursuivre. Écoutez, me forcez pas à être désagréable, d'accord? J'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de vous forcer, vous y arrivez très bien toute seule. Non, mais qui c'est qui vient m'emmerder alors que j'étais tranquillement en train de faire du stop toute seule? Parce qu'à la base, je suis tranquillement en train de faire du stop, d'accord? Tout va très bien, madame, tout va très bien, d'accord? Bah alors, si tout va très bien, qu'est-ce que vous m'emmerdez, hein? Profitez-en de votre nationale, moi je fais que passer. Je suis dans la première voiture et je vous laisse. Je sais même pas pourquoi je vous parle, vous m'avez chaud. Ouais, d'accord. J'avais pas compris. Compris quoi? Bah, vous êtes là pour travailler. Attends, il me traite de puce là en plus? Non, je vous traite pas, j'ai beaucoup de respect pour cette profession. Je vois pas du tout où vous voulez en venir. Je suis une mère de famille très respectable, ok? Qui quitte tout simplement son foyer. En robe du soir? Oui, en robe du soir. C'est l'anniversaire de ma fille, figurez-vous. Et en bonne mère de famille, je me suis habillée, maquillée et coiffée. Et votre départ, c'est le cadeau? Celui que je me suis fait, en tout cas. Ah. Donc c'est la première fois que vous faites la pute? Je fais pas la pute, je fais une fugue. Voilà, je fais une fugue. Faites ce que vous voulez, moi je fugue. Une fugue? Oui. Mais moi aussi je fais une fugue. Ah bon? Oui. Et vous fuguez d'où? D'une maison de retraite. D'où? Des glaïeuls. C'est quoi les glaïeuls? Bah, en général, c'est des fleurs. Assez moche, mais là, c'est une maison de retraite. Assez moche aussi, d'ailleurs. Avec des vieux, là, dedans, moches. Qui déambulent avec des peignoirs moches et qui dorment dans des chambres moches. Et croyez-moi, c'est très dur. Être une belle femme au milieu de tout ça. Complètement ridicule de fuguer d'une maison de retraite, hein. Parce que quitter sa famille pour l'anniversaire de sa fille, c'est plein de bon sens. On voit que vous les connaissez pas. Vous reconnaissez les glaïeuls, peut-être? Non, je connais pas les glaïeuls, mais vous voyez, si ma famille elle avait un nom de plante, ça serait les orties, avec deux grosses ronces qui poussent dedans. Ouais. Très bien, ils sont toujours pas rendus compte que j'étais partie. Pourquoi vous attendez des nouvelles, là? Ah non, je veux juste être sûre qu'ils ont trouvé le mot que j'ai laissé. Vous avez peur qu'ils s'inquiètent? Non, je veux juste être sûre que le message est bien passé. Il y avait quoi dans la lettre? Ah, c'était pas une lettre, c'était un mot. C'était quoi mon mot? Merde! Merde? Vous tout comprendre avec merde, c'est clair? Bah ouais, vous entendez quoi, vous, par merde? Mais on dit pas tout va bien, merde, je reviens dans 5 minutes, merde. Non. Dans merde, y a que merde. Enfin bon, là. Y a que. J'en ai marre de m'occuper de vos slips, de vos couches. Y'a que... J'arrive même plus à me lever le matin. Que je respire plus, que je rigole même plus. Que je fane, je crève, je me casse. Voilà. Ouais. Et tout ça dans merde. Ouais. Y'a tout ça. Bah merde alors. Je crois qu'il serait plus raisonnable de faire gentiment demi-tour. Hein. Vous croyez?